Là, c'est quelques résultats de l'astuce que je m'apprête à te dévoiler dans cette vidéo. Ici, tu vois qu'à 16h54, j'ai fait un gain. Ici, 16h41. Ici, 16h20. Ici, 16h15. Ici, 16h12. Donc, l'astuce que je m'apprête à te montrer, c'est une astuce qui marche super bien si tu suis vraiment les instructions que je vais te donner dans cette vidéo. C'est une astuce que moi-même, j'ai expérimenté et ça marche super bien. Un petit disclaimer, je ne te dis pas que ça va marcher à 100%, mais pour le moment, ça marche à 99% si tu suis bien les instructions que je vais donner dans cette vidéo. Bien avant de continuer, si tu es nouveau, pense à t'abonner et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ok, je t'ai également mis le lien de mon canal à Telegram dans la description de la vidéo, donc tu peux cliquer sur le lien pour rejoindre mon canal Telegram. Là-bas, je te donne chaque jour des coupons gratuitement, donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Donc ici, pour l'astuce, je vais cliquer sur menu. Donc une fois que je clique sur menu, l'astuce se trouve dans la section e-sport. Ok, donc une fois que je clique sur e-sport, là je vais venir cliquer sur e-sport virtuel. C'est une astuce qui marche super bien, donc suis attentivement. Donc là je vais cliquer sur FIFA. Donc l'astuce se trouve dans le jeu FIFA, mais c'est pas n'importe quel FIFA. Je vais tout te montrer dans cette vidéo de A à Z. S'il te plaît mon gars, pense à liker la vidéo et partager, ça m'encourage énormément à te fournir des contenus pareils. Donc là je vais cliquer sur tout. Une fois que je clique sur tout, l'astuce se trouve dans la section FIFA Penalty 23. Ok, donc une fois que je clique là dessus, là je vais patienter un peu. Je peux directement continuer avec ce match là. Donc nous allons voir, ils sont à combien d'abord. Donc ils sont à 0-0 actuellement. Et je vais voir si les événements sont pas bouclés. Donc je vais remarquer d'abord quelque chose. Là je vais voir si les événements sont pas bloqués pour le moment. Donc ici rien n'est bloqué d'abord. Donc je vais patienter. Ok, là l'équipe 1 vient de marquer. Donc je prends sur l'équipe 2 directement. Je prends un total plus de 2,5. Et je te dirai à la fin pourquoi est-ce que j'ai fait cela. Là je place 15 000 francs. Ok, je place. Ok, le pari a été bloqué parce que l'équipe 1, l'équipe 2 a déjà marqué un but. Donc ça a été bloqué. Même, ok, vous voyez qu'ils allaient faire plus de 2,5 dans le match parce qu'ils sont actuellement à 2. Donc nous allons patienter, nous allons voir. Ok, là les gars viennent faire 2,5 dans le match. Donc s'ils avaient placé sur ce coupon, ça allait passer à 100%. Donc ce qu'on va faire, on va juste quitter ce match. Et je vais venir sur le deuxième coupon, le deuxième match qui est juste là. Donc ici ça commence dans 3 minutes. Et ici en haut vous voyez que c'est Juventus qui joue. Ok, là c'est Juventus. Et en bas aussi nous avons Juventus. Donc là avant de placer, vous allez toujours regarder les cotes. Donc ici le Real Madrid à cote 1,80 pour V1 et V2, Juventus à cote 2,015. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur le match d'abord. Mais nous allons patienter que ce match se termine pour le mois. Ok, on va juste patienter que le match se termine. Je te laisse également mon code promo dans la description de la vidéo. Tu peux utiliser ce code promo là pour activer le bonus de 200% et recevoir tous les avantages disponibles sur tous les bookmakers, que ce soit OneisBet, BetWinner, ParisPesa ou InWin. Donc le meilleur code promo actuellement sur le marché, c'est le code promo 24AB. Je te l'ai laissé dans la description de la vidéo. Donc on va juste patienter et on va attendre le résultat final de ce match avant de pouvoir placer sur le prochain coupon. Le match s'est terminé et Juventus a gagné face à son adversaire 4-3. Donc ici, pour le prochain coupon, ce que nous allons faire, on va cliquer sur le prochain coupon Arsenal et Manchester City. Donc ce que je vais faire, je vais juste cliquer sur le match. Ok, donc ici, avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord voir les cotes. Donc ici, V1. Ici V1, l'Arsenal à cote 1,79 et V2, Manchester City à cote 2,05. Donc ici ce que je vais faire, je vais d'abord déployer, je vais déployer les parties totales. Ok, donc ici on a total 1, total 1, on a cote, on a plus de 2,5 buts. Et ici total 1, on a plus de 3,5 buts. Donc ici la cote, c'est le cote 1,85 pour total 1. Donc ici on a deux options. Donc je vais défiler d'abord et je vais te montrer la partie total 2. Ok, total 2, voici la deuxième option ici. Total 2, plus de 2,5 buts dans le match. Ça, ça va marcher à 100% des cas. Donc ici, je vais cliquer sur total 2, ok. Je vais te montrer le résultat de ce coupon dans cette même vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ici, pour un exemple, je vais placer 100 000. Ok, je vais placer juste 100 000 ici. Tu vas voir que ça va passer à 99,9%. Ok, là, le coupon a été validé. Donc, on va juste patienter. Donc là, si je viens sur historique et que je clique sur mon historique, tu vas voir que voilà, le coupon a été très bien placé. Total de plus de 2,5 buts dans le match. Total de Manchester City. Donc là, nous allons aller sur le match. Ok,
N'oublie surtout pas d'utiliser le code promo 24AB pour bénéficier de tous les avantages disponibles sur les bookmakers. Ok, là on va juste patienter. Le match a commencé à 30 secondes. Donc je vais mettre un peu la vidéo sur pause. Ok les gars, le match va débuter tout de suite. Donc ils sont à moins 2 secondes du match. Donc on va juste patienter et voir le résultat de ce coupon. Je te garantis que ça va passer à 99% des cas. Donc là, nous allons juste patienter et voir. Ok, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche de notification. Je te rappelle qu'ici, on a pris plus de 2,5 buts de l'équipe 2. Donc nous allons juste patienter et voir. Je vais te dire à la fin de la vidéo sur quelle équipe prendre et sur quelle équipe ne pas prendre. Là, nous allons juste patienter. Okay. Là, l'Arsenal a marqué Manchester City a marqué. Donc là, nous allons juste patienter encore. Okay. Ok, Manchester City est à 2. Ok. Manchester City a marqué 2 buts. Donc il reste un but pour que le coupon soit validé. Il reste un... Ok, le coupon est déjà validé. Donc là, vous voyez que Manchester City est à 3. Donc si je veux aller sur l'historique de Paris. Ok, je vais sur mon historique et je clique sur le coupon. Là, tu vois que ça a été validé sans problème. Et ici, la cote était de cote 1,29. Donc là, je vais aller t'expliquer un peu pourquoi ou et comment est-ce que tu peux prendre cette option-là avec les équipes et que ça va marcher à 100%. Ok. Là, ici, pour le prochain match. Ici, pour le prochain match à Bayern et puis Manchester City. Donc, tu peux cliquer sur le match. Après avoir cliqué sur le match, tu regardes toujours les cotes. Ok, V1 c'est cote 2, V2 c'est cote 1,79. Donc là, nous allons prendre total de V1. Donc tu vas toujours regarder les cotes d'abord avant de placer. Donc là, nous allons prendre sur V1. Ok, on va prendre total de V1. Donc ici, tu peux directement prendre total de V1. Tu peux venir prendre plus de 2,5 buts. Ok, si la cote c'est de cote 1,20, 1,30. 1,40, tu peux prendre, ça va rentrer à 99% des cas. Donc là, ce match là, ça commence dans 2 minutes et je vais cliquer sur le match. Ok, je vais placer le coupon. Ça, c'est un deuxième essai. Je vais placer sur le coupon pour te montrer un peu comment ça se passe. Là également, je place à 100 000. Ok, là également, je place à 100 000 et je vais mettre la vidéo sur pause pour te montrer un peu les résultats de ce coupon également. Donc là, on va cliquer sur le match, on va cliquer sur le coupon et si tu vois qu'il est bien placé sur l'événement, donc ici tu vois total 1 plus de 2,5 buts dans le match, cote 1,20. Donc là je viens sur, voilà, le match ça commence dans 2 minutes, donc je vais mettre la vidéo sur pause et à tout à l'heure pour le résultat. Ok les gars, là le match a commencé à 0 seconde, donc on va juste patienter et voir le résultat de ce coupon. Ok, là je vous rappelle que j'avais pris plus de total à 2,5 de l'équipe 2, donc ici de l'équipe 1 plutôt. Donc ici vous voyez total plus de 2,5 du Bayern Munich. Donc là je vais venir sur, voilà, le match. Ok, là ils sont déjà à 1, ils sont déjà à 1 ici, donc ça reste à 2 buts. Ça reste 2 buts. Cette astuce là, ça marche super bien pour tous ceux qui vont bien suivre les instructions. Okay. Là, ça reste 2 buts pour que le coupon soit validé. Là, je vais juste patienter. Ok, là ils sont à 2 buts, donc ça reste 1 but pour que le coupon soit validé. Ok, ça reste seulement 1 but pour que le coupon soit validé. Là, nous allons patienter. On va juste patienter et voir le résultat final de ce match. On va voir que cette astuce là, c'est une astuce qui marche super bien. Ok les gars, là voilà, voilà, est-ce que vous voyez, là ils sont à 3, ils sont à 3, donc le coupon a été très bien validé. Là je vais dans historique, ok, je vais rafraîchir un peu la page. Là je viens dans historique et je vais cliquer sur le coupon. Là tu vois que ça a été validé sans problème, total 1 plus de 2,5 et voilà les gains. C'est une astuce pour tous ceux qui vont bien suivre les instructions. Cette astuce là, ça va marcher, je dirais pas à 100%, mais à 99% des cas. Donc les gars, c'était l'astuce. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker et partager. Donc dis-moi ce que tu penses de la vidéo dans les commentaires. Quant à moi, je te dis à ciao pour une toute nouvelle vidéo.